Je vais vous confier une chose à laquelle je ne cesse de m'accrocher. On me l'a reproché pas mal de fois, à croire que c'est un péché, mais je peux pas m'en empêcher. Tricher pour m'intégrer, pour moi c'est trop cher payé. Je me suis créé mon univers et ça me sert à m'avoir seul comme adversaire, une carapace que j'insère. Je vous assure, je retiens les dates anniversaires où quelques larmes se versèrent. Je pardonne parfois mais j'oublie pas, c'est dans mes viscères. Certains me trouvent froid, ont peur d'en faire les frais. J'effraie parfois, puis rassure quand on me connaît. Je suis comme un arbre dont l'écorce est là pour protéger. Un cœur caché derrière un torse, à l'abri du danger. Je suis ce que je suis, alors qu'ils m'aiment me suivent. Je sais ce que je suis, pourquoi fuir et tenter l'esquive. Je m'accepte devant le miroir, pour pire et pour le meilleur. De manière j'ai pas le choix, j'ai pris le chemin que beaucoup ignorent. En fait je suis comme vous, sauf que je me prends pas la tête. Je vis des hauts et des bas, parce que c'est pas toujours la fête. Mais ce qui compte c'est bon ou bon, tel quel je m'accepte. Et si le monde me rejette, je m'en fous, c'est mon concept. En fait, plutôt que d'aller voir un psy et me poser dans un canapé et lui raconter ma vie, moi je me confie à la musique, quoi. Je fais mon truc comme ça, j'ai plus de facilité à mettre par écrit ce que j'ai dans le cœur, et après je le retranscris sur des musiques qui correspondent à l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'ai écrit, quoi. Donc, avec thérapie tout simplement, parce que pour moi la musique c'est une thérapie avant tout. Il y a plein de gens qui me posent la question pourquoi qu'au son, moi je répondrais pourquoi pas, dans le sens où de toute façon les gens ont toujours quelque chose à dire, donc on fasse les choses bien ou mal. Il y a toujours quelqu'un qui dira quelque chose. Maintenant, je me suis rendu compte que ça fait marrer pas mal de personnes et ça fait parler aussi. Donc, je pense que c'est un petit peu le but. Mais il y a une histoire derrière. Il y a un début de réponse dans l'album, mais j'en dirai pas plus, quoi. Ça reste, voilà, faut respecter le pseudo cochon, c'est tout. Il y a une telle force, je trouve, à travers certains mots, utilisés et combinés d'une certaine manière, et je trouve dommage que les gens ne les utilisent pas à bon escient, on va dire. Je pense qu'il n'y a pas de petite histoire d'amour. À partir du moment où on parle d'amour, quand c'est petit, ça n'existe pas. Donc l'amour, ça a toujours été avec un grand A pour moi. Parce qu'on dit qu'en amour, il n'y a pas de mots, il n'y a que des preuves. Moi, j'ai essayé d'apporter la preuve avec des mots, que ça pouvait réellement exister, et qu'on pouvait faire quelque chose de beau avec les deux, quoi. Et je pense que j'ai réussi. Bah disons qu'en fait ce qui est marrant c'est que cette chanson à la base je l'ai écrite pour moi parce que comme je disais mon album My Therapy c'était plus pour me confier et avoir le plaisir de réécouter mes peines entre guillemets. Il y a beaucoup de gens qui ont été amenés à l'écouter, qui ont vraiment aimé parce que j'y ai mis tout mon cœur pour l'écrire parce que c'est une histoire qui me touche particulièrement, c'est du vécu. Et à chaque fois que quelqu'un me parle de mon album, c'est vraiment la chanson qui l'a marqué, quoi. Disons que je pense que j'ai eu le courage de faire quelque chose que beaucoup de gens aimeraient faire, mais voilà, ils ont peut-être pas les mots, ils ont peut-être pas le cran d'affronter leurs sentiments face au miroir, quoi. Donc, la force de la musique française, en fait, c'est au niveau des mots. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui se servent justement de ces mots-là et qui mettent plus l'accent sur le côté musical. Alors que moi, personnellement, quand j'écoute de la musique, ce qui m'intéresse, c'est que ça raconte une histoire, qu'on ressente quelque chose en écoutant. Si c'est pour écouter du 1, 2, 3, 4, je suis sorti de chez moi, j'ai été acheter ma baguette, ça m'intéresse pas, quoi. Je veux pouvoir rêver à travers la musique, donc ce que je fais, c'est offrir aux gens la possibilité de rêver à travers la mienne, en fait. Plus poète que musicien. Parce que j'ai pas fait de conservatoire ou quoi que ce soit, j'ai composé au feeling, je me suis mis derrière un piano, j'ai bricolé, et puis voilà, le résultat il est là, l'album My Therapy. Par contre, je pense qu'au niveau des textes, il y a vraiment un très très gros travail et j'en suis vraiment fier, quoi. Donc voilà. J'arrive dans un milieu, comme tu disais, plus ou moins macho, et arriver avec un morceau comme ça, c'est un petit peu prendre des risques dans le sens où je sais qu'il y en a qui vont parler, qui vont dire que j'ai voulu faire le lover et tout, ou entre guillemets le canard. Moi, ma définition du canard, en fait, c'est peut-être celui qui va faire le beau devant tous ses potes, qui va faire le mec fort et tout ça, et quand il rentre chez lui, il est tout seul, et là, il chiale devant sa glace. Bah, moi, disons que j'ai pas ce problème-là, j'ai trop de respect pour moi pour jouer le faux avec les gens, donc j'ai voulu tout simplement faire un morceau à l'image de ce que j'ai à l'intérieur, et histoire de dire aux gens que j'ai un cœur, moi aussi, et que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui font les grands durs et tout ça. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, personne ne peut avoir la prétention de dire qu'il a jamais pleuré pour une fille, quoi. Donc voilà. C'était mon coup de cœur, histoire de remettre les pendules à l'heure aussi. Certains diront que c'est durable, d'autres diront que c'en est pas, parce que justement j'aborde des thèmes d'une certaine manière qui fait qu'on pourrait dire que c'est pas vraiment du rap français.
Et j'entends déjà les mauvaises langues d'ici dire ce genre de choses-là sur l'album. Après, pour moi, c'est pas un problème. On peut me mettre dans la catégorie si ça peut leur faire plaisir dans le rock ou dans tout ce qu'ils veulent. Moi, mon but, c'est de faire de la musique. Donc maintenant, que ce soit du rap ou autre chose, pour moi, c'est de la musique et c'est les mots, la force des mots et leur poids. C'est tout ce qui compte. Ça doit faire bizarre que j'en cite pas, mais ce qu'il y a, c'est que bon, je suis bilingue, donc je comprends tout ce qui se dit dans le rap américain et ça raconte l'histoire. Donc après, il y a des gens qui sentent le besoin de bouger dessus parce que c'est américain, c'est à la mode et tout ça. Mais voilà quoi, moi c'est pas trop mon délire parce que j'ai vraiment besoin qu'on me raconte des histoires. Par rapport à mon album, la moralité c'est de se dire que je pense qu'il faut tout simplement rester soi-même, rester vrai, c'est tout. Moi j'ai voulu faire cet album pour qu'il me ressemble, demain je me vois pas faire des clips vidéo avec des meufs à poil ou des grosses voitures que je pourrais jamais me payer. Donc je veux juste être moi-même et montrer aux gens ce que c'est le ID vu de l'extérieur et de l'intérieur en fait quoi. De l'intérieur par rapport à mes mots, ma musique et mes textes, et de l'extérieur par rapport à l'image que je renvoie. Donc par rapport à l'intro de l'album, certains trouvent que je suis relativement froid parce que je souris pas facilement dans la rue. Je dis toujours je vais pas me balader avec un sourire niais sur le visage pour faire plaisir aux gens, mais c'est un petit peu ça quoi. Donc c'est un peu l'image qui est à l'opposé, un peu comme le pseudo cochon. Quand on entend cochon, tout de suite on va s'imaginer le pervers sexuel ou le mec qui fait je sais pas, bon, on peut s'imaginer pas mal de choses par rapport au mot cochon, le mec qui est sale et tout ça. Mais je suis carrément à l'opposé de tous ces clichés là quoi. Et c'est pour ça que ça me fait marrer aujourd'hui quand les gens entendent cochon, ils rigolent, et quand ils écoutent l'album ils se disent eh bien. Et ça me touche profondément. Et ce que j'aime aussi, c'est que les gens se reconnaissent à travers ma musique. J'ai toujours dit dans la musique, il y a le fond, il y a la forme. Certains ont juste le fond, d'autres ont juste la forme. Moi, j'ai essayé de réconcilier les deux pour sortir un album qui soit vraiment, comme j'aime le dire, un projet rap à part entière, mais entièrement à part.